tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour réaliser ensemble un joli set de table au crochet. Donc, vous allez voir, c'est vraiment très facile à faire, convient vraiment parfaitement aux débutantes, hein. Donc, le motif ressemble un peu comme les carrés granit, vous voyez, avec des groupes de brides comme ça, vous voyez, regroupés. Donc, il est bien arrondi, bien rond parfait. Et j'ai rajouté des petites franges ici tout autour pour ajouter un petit côté fantaisie, mais ça, bien sûr, ce n'est pas obligatoire. Donc, pour réaliser votre set de table, vous aurez besoin de fils qui se crochettent en 3,5-4 mm. Donc, moi, j'ai pris le fil essentiel de chez Le Crochet d'Elsa. Donc, c'est du fil 100% acrylique. Ce sont des pelotes de 50 grammes avec environ 150 mètres. Donc, préconisé aiguille 3,5. Donc, moi j'ai pris un crochet 4 mm et vous aurez également besoin d'une petite paire de ciseaux. Donc mon set de table mesure environ 30 cm de diamètre, donc tout pile, voyez, sans les franges. Donc c'est quand même une belle taille pour pouvoir poser une belle assiette dessus. Donc moi j'ai pris du fil 100% acrylique, mais bien sûr vous pouvez utiliser du coton ou vous pouvez également utiliser de la jute pour avoir un rendu qui fait un peu plus champêtre. Donc là c'est de l'acrylique, mais il n'y a pas de souci, ça tiendra quand même bien au lavage. De toute façon, on ne les lave pas non plus sans arrêt nos sets de table, donc ça va très bien tenir. Donc c'est parti pour la démonstration. On va commencer par le centre et vous allez voir, on va crocheter comme ça tout autour en agrandissant notre rond. Dans un premier temps, on va faire un nœud coulant. Donc pour faire un nœud coulant, vous allez faire une boucle. Vous repassez le fil en dessous et avec votre crochet, vous allez récupérer le fil qui se trouve au milieu. Et vous tirez vers le haut et vous avez fait votre nœud coulant. On positionne bien le fil sur notre main pour avoir de l'aisance pour crocheter. Et on va commencer par faire 5 mailles en l'air. Donc une maille en l'air, c'est un jeté autour du crochet et on le passe dans la boucle. Donc là, j'ai fait une maille en l'air. 2, 3, 4 et 5. On va fermer ici pour former une boucle. Donc pour fermer, on va piquer dans la toute première maille ici. Donc elle est un peu grande, mais c'est pas grave. On va pouvoir le resserrer avec le fil juste après. Donc je pique, je vais faire un jeté, je passe à travers ma maille ici et je repasse à travers la maille qui se trouve sur le crochet. Voilà. Et là, vous avez fait une maille coulée. Donc comme je disais, si c'est un peu lâche, vous tirez sur le fil de montage et vous allez voir, ça se referme. Et là, vous avez une boucle qui s'est formée juste au milieu. Maintenant, nous allons faire 3 mailles en l'air. Donc, toujours de la même façon. Une, deux, trois. Ces 3 mailles en l'air ici vont compter comme une première bride. Maintenant, nous allons travailler dans la boucle ici et on va refaire une bride. Donc, je fais un jeté, je pique. Un jeté, je ramène le fil. Un jeté, je passe à travers deux boucles. Un jeté, je passe à travers les deux dernières boucles. Là, nous avons fait une bride. Donc les 3 mailles en l'air plus ici, ça fait 2 brides. Maintenant, on va faire un jeté. Toujours dans le même espace, on va faire 2 brides. Donc je fais un jeté. Je pique, un jeté, je ramène le fil, un jeté, je passe à travers deux boucles, un jeté, je passe à travers les deux dernières boucles. Là, j'ai refait une bride. Toujours dans le même espace, on refait une bride. Donc là, j'ai un groupe de deux brides, un groupe de deux brides. Là, je fais un jeté. Je prends un peu de fil, hop, voilà. Donc là, j'ai bien fait mon jeté. Là, je vais refaire un groupe de deux brides. Donc, un jeté, je pique, je ramène le fil. Un jeté, je passe à travers deux boucles. Un jeté, je passe à travers les deux dernières boucles. Je refais une bride.
Là, j'ai trois groupes de deux brides. Je fais un jeté, je refais deux brides. Une, deux, un jeté, je refais deux brides. Une, deux, je refais un jeté. Et là, je refais une dernière fois deux brides. Comme ça, au total, on aura six groupes de deux brides. Une et deux. J'oublie pas mon jeté. Et là, je vais me relier en piquant dans la troisième maille en l'air ici du départ. Donc, une, deux, trois. Donc, c'est juste ici. Je pique dans la maille. Je fais un jeté, je passe à travers mes deux boucles. Donc en fait, on refait une maille coulée. Voilà. Bon, avec le petit fil de montage, vous pouvez resserrer votre centre. Maintenant, nous allons passer au second tour. Pour le second tour, dans un premier temps, on va faire des mailles coulées pour arriver dans le premier espace ici où il y avait une maille en l'air. Donc pour faire des mailles coulées, on va piquer simplement dans les mailles, hop, et on fait une maille coulée, ouais, comme ça, hop, et je refais encore une fois pour arriver dans l'espace ici. Voilà, comme ça, je suis bien arrivée dans le premier espace, et dans cet espace ici, on va commencer par faire trois mailles en l'air, qui va compter comme une première bride. Toujours dans le même espace, nous allons faire une bride. Une maille en l'air et toujours dans ce même espace ici, on va refaire deux brides. Une et deux. Donc vous voyez, là dans l'espace, j'ai deux brides, une maille en l'air, deux brides. Maintenant, on refait une maille en l'air. Je vais dans l'espace suivant, donc juste ici. Là, vous avez une, deux brides, donc juste ici. Et je vais faire deux brides. Une, deux, une maille en l'air et toujours dans le même espace, je refais deux brides. Une et deux. Une maille en l'air, je vais dans l'espace suivant, juste ici. Donc là, j'ai une, deux brides et je fais deux brides. Une. Deux, une maille en l'air et toujours dans le même espace, je refais deux brides. Et on va faire ça sur tout le tour. J'oublie pas de faire une maille en l'air. Dans l'espace suivant ici, je fais deux brides, une maille en l'air, deux brides. Une, deux, une maille en l'air et deux brides. Une. Et deux. Je fais ma maille en l'air dans l'espace suivant. Une, deux, une maille en l'air, toujours dans le même espace. Une, deux, une maille en l'air. Et dans mon dernier espace ici, deux brides. Une. Deux, une maille en l'air et deux brides dans le même espace. Une et deux. On n'oublie pas de faire notre maille en l'air de séparation. Et là, comme pour tout à l'heure, je vais me piquer dans la troisième maille en l'air ici. Du début. Et je fais, j'ai pas bien piqué. Voilà, j'arrive pas à bien piquer. Hop, on va écarter un petit peu. Voilà, et je fais une maille coulée. Maintenant, je vais faire des mailles coulées pour arriver dans le premier espace ici pour pouvoir faire notre troisième tour. Donc là, je fais une maille coulée
dans la maille ici, je vais dans l'espace et je fais ma maille coulée. Et là, nous allons faire donc le troisième tour. Le troisième tour, on va commencer par faire toujours 3 mailles en l'air qui va compter comme la première bride. Dans le même espace ici, je vais faire 2 brides supplémentaires, ce qui fera comme si on avait fait 3 brides. Donc 1, 2 et 3. Vous voyez, 3 mailles en l'air, ça compte comme une bride. Et là, j'ai fait 2 brides, donc j'ai bien 3 brides. Maintenant, je fais une maille en l'air de séparation. Je vais dans l'espace suivant juste ici. Et je fais 3 brides. 1, 2 et 3. Une maille en l'air de séparation. Je vais dans l'espace ici suivant et je fais 3 brides. 1, 2 et 3. Et vous voyez, vous allez avoir à chaque fois des groupes de 3 brides. On fait toujours une maille en l'air de séparation. On va dans l'espace suivant ici et on fait 3 brides. 1, 2 et 3. Une maille en l'air. Dans l'espace suivant, on fait 3 brides. 2 et 3. Et vous allez faire ça donc sur tout le tour. Donc voilà, j'ai fini tout le tour. On n'oublie pas à la fin de faire notre maille en l'air ici. Donc moi, je l'ai déjà faite. Et là, je me pique dans la troisième maille en l'air à partir du début. Et je fais ma maille coulée. Voilà. Comme pour toutes les autres tours, on va faire des mailles coulées pour arriver dans le premier espace ici. Donc là, vous avez plus de brides. Donc, on doit en faire plus. Donc, je fais 2 mailles coulées et la troisième maille coulée ici. Voilà. Et maintenant, on va passer au tour 4. Pour le tour numéro 4, on va refaire exactement la même chose qu'on vient de faire ici. Donc, ça sera des groupes de 3 brides. Donc, toujours de la même façon, on commence par 3 mailles en l'air qui va compter comme une bride. Ensuite, dans le même espace ici, vous allez faire 2 brides supplémentaires. 1 et 2. Donc là, c'est comme si j'avais fait 3 brides. Je fais une maille en l'air de séparation. Je vais dans l'espace ici suivant et je fais 3 brides. 1, 2 et 3. Une maille en l'air. Dans l'espace suivant, je fais 3 brides. 1, 2 et 3. Une maille en l'air et ainsi de suite sur tout le tour. Voilà, j'ai fait tout le tour. Donc là, vous voyez, ça resserre un petit peu, mais c'est tout à fait normal. Hein. Pas de souci avec les autres rangs, tout va rentrer dans l'ordre. Donc là, j'ai bien fait mes 3 dernières brides ici dans le dernier espace. J'ai fait ma maille en l'air et je pique dans la troisième maille ici pour fermer le tour. Et je fais une maille coulée. Maintenant, je vais faire des mailles coulées pour arriver dans le premier espace juste ici. Voilà. Et on va passer au tour numéro 5. Le tour numéro 5 va être comme le tour numéro 2. C'est-à-dire, nous allons faire 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. Dans le même espace ici, je fais une bride. Une maille en l'air. Et toujours dans le même espace, je refais 2 brides. 1 et 2. Une maille en l'air. Je vais dans l'espace suivant et je fais 2 brides. 1, 2. Une maille en l'air. 2 brides dans le même espace. 1
et 2. Une maille en l'air, je vais dans l'espace suivant ici et je fais la même chose. Donc deux brides, une maille en l'air, deux brides dans le même espace. On fait bien toujours une maille en l'air de séparation. Je vais dans l'espace suivant et je fais exactement la même chose. Vous allez voir, votre rond va revenir à plat. Vous allez faire ça tout le tour. Voilà, j'ai fini mon tour. On fait bien notre maille en l'air de séparation. Et on pique ici dans la troisième maille en l'air pour fermer le tour. On fait une maille coulée. Et maintenant, on fait des mailles coulées pour arriver dans le premier espace juste ici. Hop. Et voilà. Et là, on va passer au tour numéro 6. Et le tour numéro 6, on commence par faire 3 mailles en l'air toujours. 1, 2, 3. Dans le même espace juste ici, je vais faire une bride. Une maille en l'air, je vais dans l'espace suivant, ici, qui est un peu plus grand, et je fais deux brides. Une, deux. Une maille en l'air, je vais dans l'espace suivant, donc celui qui se trouve entre les deux brides, et je fais deux brides. Une maille en l'air de séparation. Je vais dans l'espace ici et je fais deux brides. Une, deux. Une maille en l'air de séparation. Je vais dans l'espace ici et je fais deux brides. Une et deux. Une maille en l'air. Dans l'espace suivant, je fais deux brides. Etc. sur tout le tour. Voilà, j'ai terminé mon tour, donc ça remonte un petit peu, mais ne vous inquiétez pas, c'est tout à fait normal. Donc là, j'ai bien fait mes deux dernières brides ici, j'ai fait ma maille en l'air de séparation, et là, je pique dans ma troisième maille en l'air à partir du début pour fermer mon tour, et je fais des mailles coulées pour arriver dans le premier espace. Là et voilà. Maintenant, nous allons refaire deux tours de groupe de trois brides. Donc, voyez ici quand on a fait deux tours avec à chaque fois trois brides. Et bien là, on va faire exactement la même chose. Donc, vous allez faire trois mailles en l'air qui va compter comme une bride. Dans le même espace ici, vous allez faire deux brides supplémentaires. Donc, une, deux. Une maille en l'air, dans l'espace ici suivant, vous allez faire trois brides, une, deux, trois, une maille en l'air de séparation, dans l'espace suivant ici, vous allez faire trois brides, etc. sur tout le tour. Vous terminez bien ici par une maille en l'air de séparation. Vous piquez dans la troisième maille en l'air juste ici pour fermer votre tour. Vous faites des mailles coulées pour arriver jusqu'au premier espace ici. Et là, vous refaites trois mailles en l'air, deux brides, une maille en l'air, trois brides dans l'espace suivant, une maille en l'air, trois brides, etc. Vous voyez, c'est comme on a fait juste avant ici. On a fait deux tours de trois brides à chaque fois. Donc là, vous faites exactement la même chose. Deux tours de trois brides à chaque fois dans chaque espace. Donc voilà, j'ai terminé mes deux tours. J'ai bien fait ici ma maille en l'air et je le ferme comme d'habitude. Une maille coulée ici et je fais des mailles coulées pour arriver jusqu'à mon prochain espace. Voilà. Le tour suivant, ça sera comme le tour, donc ça en fait c'est un tour d'augmentation. C'est celui où on fait deux brides, une maille en l'air, deux brides dans le même espace. Ensuite on fait une maille en l'air, on va dans l'espace suivant et on fait deux brides, une maille en l'air, deux brides. Vous voyez?
Donc, je vous remontre encore. Donc, on commence toujours par faire 3 mailles en l'air. Et toujours dans le même endroit, je fais une première bride, une maille en l'air. Et toujours dans le même espace, je refais 2 brides. Une et deux. Une maille en l'air. Dans l'espace suivant, ici, je fais bien 2 brides. Une, deux, une maille en l'air et toujours dans le même espace, je refais 2 brides. Une et deux. Et on fait ça tout le tour. Voilà, j'ai terminé mon tour. Donc même comme ça, je trouve que c'est super mignon, l'espèce un peu de vague tout autour, vous voyez. C'est aussi très joli. Mais vous voyez, il est bien revenu à plat. Et là, je fais bien ma maille en l'air de séparation. Je me pique dans la troisième maille en l'air ici. Et je fais des mailles coulées pour arriver dans le premier espace. Voilà. Encore un sur le côté. Voilà, et le premier espace est juste ici. Voilà. Le rang suivant, c'est le rang où nous allons faire simplement des groupes de 2 brides. Donc dans chaque espace, ici, ici, entre les brides ici, on va faire à chaque fois 2 brides. Donc on commence toujours par 3 mailles en l'air. Dans le même endroit, je fais une bride. Une maille en l'air de séparation. Je vais dans l'espace ici suivant, je fais 2 brides. Une, deux, une maille en l'air. Dans l'espace suivant, je fais 2 brides. Etc. sur tout le tour. Vous voyez, à chaque fois, 2 brides, 2 brides, 2 brides. Voilà, j'ai terminé mon tour, j'ai fait ma maille coulée et j'ai fait toutes mes mailles coulées ici pour arriver à mon premier espace. Et là, nous allons terminer notre set de table par 2 tours de groupe de 3 brides, donc comme on a fait tout à l'heure. Donc, on commence par faire 3 mailles en l'air. Dans le même espace, je refais 2 brides. Une, deux, une maille en l'air. Je vais dans l'espace suivant ici, je fais 3 brides. Une, deux, trois, une maille en l'air. Dans l'espace suivant, je fais 3 brides. Une, deux, trois, etc. sur tout le tour. Vous terminez bien votre tour par une maille en l'air, une maille coulée ici dans la troisième maille en l'air. Vous faites des mailles coulées pour arriver à votre premier espace. Et dans le premier espace, ici, vous faites 3 mailles en l'air, 2 brides, une maille en l'air, 3 brides, une maille en l'air, 3 brides, etc. sur tout le tour. Comme on a fait tout à l'heure, vous voyez, 2 tours de 3 brides dans chaque espace. Voilà, tout simplement. Voilà, mes 2 tours sont terminés. Donc là, ici, pour finir, on vient simplement piquer. Donc dans la troisième maille en l'air, on fait notre maille coulée. Voilà. On fait une maille en l'air. On coupe le fil. Et vous tirez sur votre crochet. Ensuite, vous tirez sur le fil. Et ça fait un nœud. Voilà, donc là, mon set de table mesure, donc comme tout à l'heure, normalement il mesure 30 cm de diamètre. Donc là, vous pouvez le laisser comme ça si vous voulez. Vous pouvez le faire encore plus grand. Donc pour le faire plus grand, là, après les 2 tours avec les groupes de 3 brides, il faudra refaire un tour d'augmentation. Donc le tour d'augmentation, c'est quand on fait 2 brides, une maille en l'air, 2 brides dans le même espace.
Et ensuite, vous reprenez normalement donc deux brides dans chaque espace et après deux tours avec des groupes de trois brides, ainsi de suite. Vous répétez jusqu'à temps que vous avez la taille que vous voulez. Vous pouvez même les faire du coup en tapis, pourquoi pas, hein, faire vraiment très grand et faire un tapis par exemple. Vous pouvez vous amuser et faire de plein de choses différentes avec ce modèle. Donc là maintenant, donc comme je disais, vous pouvez le laisser tout simple comme ça, ou alors vous pouvez rajouter des franges comme j'ai fait sur le premier ici. Donc je vais vous montrer comment faire pour rajouter les petites franges tout le tour. Donc pour faire les franges, vous prenez votre mètre et moi je vais couper donc des bouts de 10 cm environ. Parce que je veux pas non plus une trop grande frange. Donc je vais couper simplement des bouts de 10 cm environ, vous voyez, comme ça. Hop. Donc c'est peut-être un petit peu long parce que du coup, il faut couper fil par fil, etc. Et ça prend un petit peu de temps. Mais vous préparez à l'avance tous les fils nécessaires et ensuite on vient les poser ici sur notre set de table. Donc là, j'en ai juste coupé quelques-uns pour vous montrer comment les mettre sur votre set de table. Donc on va seulement les mettre au niveau des trois brides. Donc en fait, on aura à chaque fois ici trois franges où il y a les grands espaces ici, on n'en met pas et on remet bien ici à chaque fois où il y a les trois brides. Donc là, le petit fil, vous pouvez le rentrer dans les mailles au bord comme ça et vous coupez ce qui dépasse. Donc pour mettre les franges, moi ce que je fais, c'est que je vais piquer dans la bride, vous voyez, tout en haut. J'ai mes deux fils ici qui passent. Je prends mon petit fil, je le plie en deux. Ensuite, avec le crochet, je viens piquer, vous voyez, ça fait une boucle. Je viens piquer comme ça. Je le passe dans la maille et là ici je viens faire un jeté autour de mon crochet avec les deux fils toujours, je les lâche pas et je le passe dans la boucle. Arrivé ici, je tire sur mon crochet et je serre. Et voilà, mes petites franges, elles sont mises. Donc voilà, ouais, ça fait deux fils par bride. Je vais dans la bride juste à côté, je pique, je prends mes petits fils, je plie en deux, je tiens bien avec mon doigt. Je passe dans le crochet, je passe dans la maille et là je fais un jeté et je le passe dans la boucle et je tire. Je serre et voilà ma seconde frange. Je vais dans la maille juste à côté. Je recommence. Hop, je passe à travers. Un jeté. Voilà et je tire. Voyez, donc là j'ai fait trois brins de fil, voyez, sur mes trois brides. Là, il y a l'espace, je ne fais rien. Maintenant, je pique dans la bride juste à côté et je fais toujours la même chose. Je plie, hop, je passe à travers, un jeté autour, je repasse dans la boucle et je tire et je serre. Je vous montre encore une fois. Je pique avec le crochet. Je prends mon fil, hop, je passe à travers, un jeté, voilà, hop, et je tire. Je vous montre une dernière fois et je pense que ça sera tout bon. Voilà. Je passe à travers, je tire. Et voilà. Et vous vous amusez à faire ça sur tout le tour. Donc, je vous cache pas que c'est quand même un petit peu long à faire. Voilà, donc je vais continuer celui-ci tout à l'heure. Et là, je vous remontre celui qui est entièrement terminé. Donc, vous voyez, c'est exactement le même. Voilà. Un joli set de table. Donc vous pouvez le laver, le faire sécher à plat en le bloquant un petit peu pour qu'il prend bien sa forme ronde. Vous pouvez également l'amidonner pour le rendre un petit peu plus rigide. Donc vous trouverez dans le commerce des bombes
que normalement c'est pour repasser les cols de chemise, vous savez, pour qu'ils soient bien droits et tout. Donc je pense qu'il y a peut-être possibilité de s'en servir pour rendre un petit peu plus rigide notre set de table, si vous n'aimez pas trop le côté un peu souple comme ça. Voilà, donc mon tutoriel est terminé. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. On se retrouve bientôt pour des nouvelles vidéos. En attendant, n'hésitez pas à faire un petit tour sur ma page Facebook et Instagram. Et surtout, à vous abonner à ma chaîne. Bye bye!